Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Victimi66 et aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première vidéo tous ensemble. Et bienvenue sur du Dark Souls 3. Ce jeu m'a été demandé par mon grand ami Fallen, que je salue d'ailleurs, qui avait envie de me voir souffrir, alors bah on va lui faire plaisir. Tac, on s'occupe des réglages. Mes amis, je vais douiller pour votre plus grand plaisir. Je vais faire les voix si vous voulez. Cette contrée est le royaume de Lothric. Le point de convergence des terres des seigneurs des cendres. Cendres. Oula. Il leur manque des chromosomes à ceux-là. Ils réalisent bien vite que la vieille prophétie disait vrai. Le feu se meurt. Et vient l'âge des seigneurs sans trône. Oh, franchement, les pèlerins, ils ont pris cher. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas se marier avec sa cousine, les enfants. Quand le feu est menacé, le son de la cloche se fait entendre. Et les seigneurs des cendres d'antan lui répondent en revenant d'entre les morts. Bon, en gros, aujourd'hui, on va faire le tutoriel et après ça, on va s'arrêter là. Aldric, le saint des profondeurs. C'est un peu Alduin, en fait. Ouais, un petit peu. Oula. C'est pour ça qu'il faut pas cuire trop fort, parce que sinon, après ça, ça... C'est pas un fondant au chocolat, c'est un coulant. Et ça, ça... Les veilleurs des abysses. Les cinématiques sont plutôt jolies. Et le seigneur solitaire de la capitale profanée. Oh merde. Yorm le géant. Wow. On dirait un Nazgûl avec son visage. Seulement voilà. Les seigneurs vont déserter leur trône. Et les mortes flammes ne tarderont pas à se montrer. Des morts vivants, des êtres maudits, d'illustres anonymes indignes d'être sacrifiés au feu. Moi, je comprends pas trop parce que j'ai pas joué au 1 ni au 2, donc bon. Que ces mortes flammes répondront à l'appel du feu. Bon, en gros, il y a des morts méchants qui reviennent à la vie, et il y a un gentil qui doit les tuer, je pense. Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Enfin, en tout cas, ça m'a tout l'air bien sympa. Non. Ok, bon, bah, on va s'appeler Sans Chichi Victimi, car mes amis m'appellent comme ça. Tac, 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 yep. Sexe, homme, âge. Pas jeune. Classe, A. Mercenaire, deux cimetières, des haches lourdes, héros, une flèche. Oh, il est pas beau lui. Quel intérêt de jouer ce personnage? À part. Ah, ouais, donc c'est bien ça en fait. On est. Oh là, oula, oula, pardon, excusez-moi. Désolé, c'est un réflexe. Du coup. Bah on va jouer chevalier, je pense que c'est la classe de base. Relique funèbre. Qu'est-ce que c'est que ça? Anneau de vie. Maximal de PV. Bah on va mettre l'anneau de vie hein, parce que bon.
Ça me semble être utile vu que c'est un jeu où on crève beaucoup. Oula. Oh, trop beau gosse. Roturier, gardez. Oula, oula, oula. Ah, oh mon dieu. Oula. Oula. C'est pas des cadavres, c'est des statues de cire. C'est... Ouf. Il y en a un qui a trop abusé de l'auto-bronzant vu la couleur orange. On dirait le président des États-Unis. Oh non, mais c'est quoi tout... C'est quoi... Ah, oh, c'est le pire. Le pire. Non, mais c'est quoi ça? Les traits des dieux anciens? Eh ben, les pauvres, ils étaient pas gâtés, ouais. Ils sont tous plus moches les uns que les autres. On va prendre... le noble d'Astora. Qui est un peu moins moche que certains. Standard, mince, émacié. Robuste, très robuste. Haut du corps musclé. Tac, petite tête. Grosse tête. Ouais, je sais pas, on va mettre mince, hein, on va pas faire compliqué. Retour, couleur de base. Oh my. Mais c'est quoi ces couleurs? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une statue en plomb. Bah on va prendre celle-là. Couleur de peau. Alors, détail du visage. Oh, un tatouage, c'est cool ça. Tatouage. Ah oui. Oh, il y a des beaux trucs. Ah mais non, mais si c'est caché par son front, ça le fait pas quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le serpent et les ailes d'ange sont plutôt classe. On va essayer ça. De toute façon, on voit pas. Couleur du tatouage. Oh, il y a des trucs sympas à faire. On va faire en bleu parce que c'est joli. Application du tatouage. Ah, c'est bien ça. Ouais, puis c'est bon. Non, tac. Cheveux, on va changer ça. Couleur des cheveux, moi je suis plutôt plus. Non mais c'est quoi ces couleurs bizarres qu'ils ont là? Cheveux. Ouais, ça fait un peu trop manga. Bon bah on va prendre ça, on va pas faire compliqué mes enfants. Tac. Sauvegarder. Superbe. Tac. Wonderful. Bon, comment on sort de là maintenant? Retour. Terminer création. Bah ouais, on va commencer à jouer avec lui. Mais excusez-moi les enfants pour ce petit temps un peu long. Ah oui, le fameux feu de camp. Dark Souls. Tang. Bah c'est cosy de par chez vous mes enfants, c'est plutôt sympa. Il y a de l'ambiance. Mais du coup comment ça se passe? Parce que j'ai l'air d'être mort depuis un certain temps déjà. Mais du coup c'est-à-dire que je suis pas pourri? Ouais, vous me direz tout ça en commentaire parce que je maîtrise pas trop le sujet. Attends, oh. Lire le message. Commande caméra. Ouais, bon, ça, ok. Ça, c'est des messages. Eh ben. Ok. Tac. L2, bouclier. R2, épée. Oui, attends, R1. D'accord. Sage, R2, attaque puissante. D'accord, ok. Verrouillage cible. Ah, bah j'en déduis que c'est une cible. Ah là là, t'es mort et pas moi. Bon. Pas arrière, roulade. Ah oui, bah c'est gentil de me le dire.
Oui, c'est sûr que ça aurait pu me servir pour éviter de perdre de la vie bêtement. Merci les gars. Sprint plus déplacement. Ok, je suis gracieux comme... Enfin voilà. Fouiller le cadavre. C'est un cadavre? Ok. Âme de corps abandonnée. Ok, bah c'est sympa. Désolé monsieur, hein. Rien de personnel bien sûr. Faut quand même avouer les gars que c'est un petit peu ridicule. Ah oui, mais c'est vraiment un ennemi mauvais, hein. Enfin... Il est nul, le monsieur. D'accord, ça c'est pour parer. J'adore quand le jeu il me dit tout de suite, garde. Ah bah oui, c'est gentil de me dire ça, ouais. Coup critique dans le dos. LOL. Âme vacillante, ok. Voilà. Ça sert à ranger tout ça, mais donc ça servira pas beaucoup. Carré, ça servira pas beaucoup. Carré, ça servira pas beaucoup. Carré. Oh non, merde! Oh putain! Quel imbécile! Bon bah, ok, bah j'ai compris. Carré, c'est non. Wow, 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 wow! Il y a pas que monsieur l'arbitre là. Attends, c'était comment? Oui, on rigole moins quand c'est moi qui t'attaque, hein. Eh ouais, fallait pas embêter tonton Victimi. Utiliser objet, bah oui, merci, hein. On n'avait pas remarqué. Maintenant j'ai plus de fioles et puis j'ai plus de vie non plus. Oh mais mince! Ok, ça va. Ensuite. L1, non, L plus R1, coup de pied. Non. Mais c'est pas un coup de pied ça, R1. Je sais pas, c'est pas très clair. Lire le message. Parade, repousse attaque ennemie après une parade, R1. Ok. Et du coup, je vais où? Attends, c'est de la douche. Ok, d'accord. Non, attends, je viens de là. Le message. Utiliser objet. Celui-là, je l'ai lu. On va essayer d'aller. Changer d'arme. Ok. Oh, attends. Ils me disent un autre truc, je crois. Afficher, masquer, objet. C'est quoi ce monde où tout le monde veut ma mort, quoi? Oh, par contre, oh, c'est plutôt joli. Excepté le fait que tout le monde veut me buter, mais sinon, c'est plutôt sympa. Attends, là, il y a un mec là-bas. Là, il n'y a rien, mais oh, c'est chouette. Bien sympathique. Se reposer auprès d'un feu, récupération des PV, remplissage de la fiole d'Estus. Ah! Allumer! Non, pardon, je ne ferai pas ça. Ouais, mon premier trophée, se reposer près du feu, on va faire ça. Oh là là, on fait son gros dodo, hop. Ok, tac, on a bien dormi. Je crois qu'il m'a vu. Oh, elle me plaît cette attaque. Oh, 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 oh là, oula, 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 oula. Oula, oui, pardon. Navré.
Ok. Waouh, c'est galère des fois quand même. Enfin, oui, oui, évidemment, je sais. Oh là, pardon. Je peux me reposer près du feu ou pas? Yes, ça c'est pas mal. Fait plaisir. Coup. Oh non, mais. Oula, oula, l'imbécile. Ok, là ça va. Ok, c'est bon, ils sont morts. Pour l'instant. Lol. Ouh, oula. Et il vient d'où, lui? Monsieur, mais vous venez de... Ah, d'accord, de là-bas. Pom, 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 pom. Alors, donc, ça sert à quoi, tout ça? Équipement, ok, fermé. Ça fait combien de temps que ça tourne là? Pour l'instant ça va, c'est... En général j'ai one shot. Non, ok, c'est le vent. Franchement le jeu est plutôt joli. Oula. Ouais, bonjour. Retirez l'épée. Ouais, non mais c'est... Je crois que c'est une... Oh, oh my! Ok, pour l'instant ça va. Oula! 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 Ça craint, ça craint! Oula! La 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 la! Ah, bon bah c'est le premier d'une longue série je pense. Ok, bon bah c'était intéressant. Bla bla bla. Bon bah on va essayer de se faire ce boss et puis après ça on va s'arrêter là je pense. Non, je pense qu'on va s'arrêter là tout court en fait, c'est un petit peu difficile tout ça. Du coup, bah c'était bien sympa, je me suis bien amusé, c'est plutôt rigolo. Par contre, ça demande un peu de pratique, je pense. Alors du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.